Marina bouge, t'inquiète, on va présenter 90. Voilà, on a eu des galères avec la caméra là-bas, ça a été galère, mais t'inquiète pas, ça arrive dans tes oreilles, écoute ça, t'inquiète. When they snatch black, I cry for 100 nights. He got 100 bodies, serving 100 lights. En direct, encore une fois, je sais pas quelle heure il est, Karim Abou est là, quelle heure il est, Karim, s'il te plaît? Il est 6h du matin. 6h du matin, on est encore là, vous vous rendez compte, donc voilà, ça tourne 24 sur 24. 6h19, bon, on sera là encore jusqu'à 8h du matin, à 10h du matin, on sera encore là. Le chef Gouttière est là aussi, tu peux prendre le chef Gouttière, il est là aussi, donc voilà, ça c'est le chat. Quand il rentre pas par la fenêtre, il rentre par la fenêtre. Et quand il rentre pas par la fenêtre, ben, il rentre par la gouttière en fait. C'est le chef gouttière, il est toujours là présent. Ils ont des concepts de malades. Il y a un dessin animé qui arrive très bientôt. En 2008, ça arrive. Karim Abou est là aussi. Donc il représente le cinéma indépendant. 90-10, tiens, tu peux filmer. 90-10, ça c'est le concept 90 pour eux et 10 pour... Non, 90 pour vous. Non, 90 pour nous, pardon. En fait, 90 pour nous et 10 pour eux. Voilà, donc vous le savez. Et Karim Abou est là, donc on va essayer de lui demander s'il peut nous donner un petit interview. Ok, mais là elle est en train de faire une petite discussion sympa avec Abou. À mon avis, c'est peut-être du commercial. Je suis fatigué, moi. Je suis le mec qui bosse, il est 6h19. Je vois que Urban Libre est toujours présent, les coulisses de Cannes sont là. Donc voilà, on a fait un deal avec le 314 qui nous a reçu ce soir. Merci Monsieur Partouche pour la communication de Black Exploitation, un film de 5 millions de dollars. On est là pour ça, quoi. Et la naissance de ce tu demandes en fait quoi? Dis-moi, comme ça au moins nous on sait. Moi je cherche 5 millions d'euros, moi. Voilà. 5 millions d'euros. Alors il paraît qu'il y a un bouclier fiscal, les mecs, c'est l'aide d'impôt, ceux qui veulent faire de la maille, appelez-nous, quoi. On a un studio. Peut-être Monsieur Partouche. Avec plaisir, c'est un joueur, non? Moi aussi, donc ça tombe bien, non? Peut-être à vous, qu'est-ce que tu dors? T'as 5 millions. Alors écoute, moi je vais être bref parce que là dans 5 minutes je rentre dormir et après je rentre. Non, on va aller manger. Pour moi le festival est terminé. Juste une seule chose, j'ai passé 10 jours magnifiques, magiques. J'ai fait de belles rencontres. C'est aussi ça qui est magique aussi à Cannes, c'est qu'on essaie de joindre l'utile à l'agréable. Et je pense qu'on est tous là pour la même chose. Et puis voilà, en tout cas ça me fait plaisir de te connaître. Et bon bah bisous à la caméra et voilà. Il y a eu Alouane. Alouane, exact. À qui? UL1, pardon, excusez-moi. Longue vie à UL1 et j'espère que, Inch'Allah, comme on dit chez moi, que vous serez, pourquoi pas, dans une chaîne RCN prochainement, ou au moins déjà sur CanalSat, TPS, sur les gros réseaux. Et, bon, faut commencer petit, comme on dit, pour après, merci. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Big up à tous, bye bye. Ciao. Merci. Je m'en vais pour de vrai. Voilà, le micro est tombé, ça les... Merci. C'est ça la technique, des fois, ça arrive. On va filmer Philippe qui nous a donné un bon coup de main aussi. Philippe qui est là, le directeur aussi, le patron. Donc voilà, il est là. Philippe. Thierry, t'as un petit mot? Ouais. Un petit mot à dire. Il arrive en force.